Les craintes économiques font trembler Wall Street. La réserve fédérale a peut-être laissé les taux d'intérêt élevés trop longtemps, ce qui a nui à la croissance américaine. Les actions ont chuté vendredi en raison des inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine pourrait craquer sous le poids des taux d'intérêt élevés visant à combattre l'inflation. Le S&P 500 a chuté d'1,8%, enregistrant ainsi ses premières pertes consécutives d'au moins 1% depuis le mois d'avril. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 610 points, soit 1,1%, et le Nasdaq Composite a chuté de 2,4%. La croissance de l'emploi en juillet aux États-Unis a ralenti beaucoup plus que prévu, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,3%.